Yo, what's up, guys? Big guy, big live sur Clash of Clans. On a, j'ai fait la, là, je vais faire le récap de la guerre. Parce que on a win. À moins qu'ils nous fassent un full perf en face, mais ça m'étonnerait, ils ont pas l'air très très bons. Que je vais vous présenter toutes les perfs qu'on a faites. Peut-être des petites attaques électro-dragon à la fin en TH16. J'ai essayé de grind un petit peu les trophées hors live, là, mais j'ai arrêté de jouer depuis un petit bout, fait que redescendu. On va aller s'en regarder toutes les attaques. On va aller. Les autres ont pas fait des trucs très intéressants. Là. Mais on va aller montrer. On va commencer par les attaques d'en bas en haut comme qu'on fait dans toutes les lives. Parce que de leur côté, ils ont pas fait des attaques très intéressantes. Là. C'est toutes des attaques. En plus, il y a des fails TH12. Sinon, on peut regarder leurs deux petits fails TH12. Là. Mais on n'aurait pas regardé les perfs TH9, TH10 en bas, là. C'est pas exceptionnel, mettons. Bon, là on a l'abus Zunk sur un de mes accounts TH12, mais il n'est pas encore totalement max, c'est un TH11 qui vient de passer TH12. Yo, what's up Olivier, comment ça va BG, man? Thanks for the follow, Supernova, comment ça va? Yo Sky, yo what's up Big? Là, on a des sorts de food qui ont été mis sur les anti-aériennes. Celle-là, il restait un. Ah, il reste 1 HP. Ok, bon, elle a été détruite par les électro-dragons. Regarde, je vais juste faire un petit test de son, 2 petites secondes. Ok, tout a l'air correct. Ok, c'est bon. Le son a l'air correct, la musique a pas l'air plus forte. Guys, on est sur des électros qui partent en tapon au milieu. On a okay, la T2E qui fait le taf, qui va détruire le Big P.K. Sur la gauche. La T2E unique est tombée, mais je pense que ça finissait sur un 80%. Fait que ils ont même pas pris l'HDV, c'était un étoile en plus. Fait que on a pas eu extrêmement de choses. C'était pas une belle attaque, admettons. Là. Puis en plus, le village, mon village que j'ai fait, il était quand même séparé. Fait que pour Electro-Dragon, je pense que c'était un peu chaud en vrai. C'était quand même osé d'attaquer au Electro, là, sur ce village-là. On va aller regarder leur petite attaque. C'est-tu le même qui a attaqué? Non, là, c'est Johnny qui a attaqué sur un de mes TH12. Lui est allé au. Pas Electro, au Dragon normal, qui est encore la même strat que t'as. Que l'autre. Il va détruire toutes les anti. Ah, ok, sont plus hauts les anti. Il va détruire, je pense même pas qu'il y a assez de foot pour détruire les deux autres anti, mais en tout cas, il essaie de détruire les 4 anti avant d'envoyer sa ligne de dragon. En plus, il y en a un rage. Ouais, celle-là est plus max l'anti. Ça, c'est un TH11 aussi qui vient de passer TH12. Fait que, c'est pour ça qu'il est max TH11, mais TH12 il est pas encore. J'ai juste l'HDV de passer puis le leg d'améliorer. Fait que j'ai pas grand chose d'améliorer dessus. Là. Ok, là on a une ligne de dragon très croche là, avec un ballon avec des super sapeurs dedans puis un P.K. J'ai l'air d'aimer de mettre un P.K. avec leur dragon eux. Je sais pas à quoi ça sert. Puis on a les dragons en bas qui sont die. On a l'anti en haut qui fait max damage. Ah, le golem de glace qui tank bien hein, pendant que la TDE à l'inique là. Mais elle était pas en unique, fait qu'elle était en multi, fait que. Mais en tout cas, ça fait quand même bien les dommages là, au premier dragon qui est ici parce que les autres elle les pogne pas encore. Le golem de glace qui vient de mourir là, ils vont s'en aller sur l'HDV. En plus, le petit gombo dragon en haut, il en reste plus. Mais ben, il en reste juste un qui est 1 HP, puis en bas aussi. Hein. Le P.K. Je pense qu'il détruira pas l'anti. Peut-être qu'il va die avant, guys. Yo, what's up, Kyria? Comment ça va, mon frérot? Ok, bon, je pense que. Attends, on peut peut-être mettre en x2. Histoire que ça finisse plus vite. On va aller checker des beaux perfects après ça, guys. On va mettre ça en x4. La T2 unique, je pense qu'elle les casse tous les dragons, là. Elle va les arracher, man. Ouais, elle les a toutes arrachées. GG! Fait que Johnny qui a fait 64%. Big fail! Ouais, guys, on va aller commencer nos attaques. On va aller commencer le replay des attaques. Là en bas, on n'avait pas des HDV de très max. Mais je vais quand même vous montrer les attaques. Puis on va. Ben chill. Puis on va monter. On va monter dans les attaques par après. Là, on va aller sur du plus max. Là en haut, j'ai mis charrette, golem de glace, armée de sorcières pour cleaner tout le tour. Histoire que l'armée de Boulis et les 3 héros.
rentre tout au milieu. Là, normalement, je pense que j'avais même un tirage ici pour faire tomber au plus vite les TDE multi qui faisaient max damage, mais j'avais mis un sort de soin aussi en même temps. Deux sorts de soins. Mes boulisses, ils ont vraiment fait un funnel exceptionnel. Là. Ça a été joli. Puis en plus, là, ma reine a contourné un peu, mais ça a quand même bien été. Puis le Warden était quand même parti de la gauche. Il y a juste le roi qui a bien tank en dedans, mais il est quand même passé un peu à droite, mais ça a bien été. Il nous restait quand même pas mal de troupes. Fait que big perf, ce village-là. Yo, what's up, Mikob? Comment ça va, mon bro, man? Là, guys, on est en train de faire un recap de la guerre full perfect, là, en 1v15. Là, on a un HTV 10, mais en tout cas, il est 11, mais il est pas très max, là. Lui, j'avais attaqué avec un TH12, ouais, je l'avais attaqué avec un TH12. La même affaire que tantôt, là, on attaque par en bas. Par contre, au sud, on avait les 4 golems de glace qui tankent avec l'armée de sorcières. On envoie les héros, les boulisses, la charrette pour tout ouvrir au milieu. Puis le CDC que j'ai... gel à côté. J'ai tout dépensé mes gels dessus. Je voulais vraiment pas qu'il y avait. Parce que j'avais pas de sorcière et de reine au milieu. Fait que. Il y avait juste des boulisses. L'électro-dragon, sinon il allait tout décalisser mes boulisses, mes troupes au sol. Fait que. J'aurais pu peut-être même fail l'attaque là-dessus. Là. La reine qui est contournée encore vers la droite. Elle s'en vient avec l'armée de sorcières. Et voilà. C'était un gros perf easy. Avec max troupes qui restait à la fin. Ok, là on est sur le 13. Le 13 c'est un attaque troll. Le 13, on va mettre en x4. Le 13 il avait rien, guys. C'était juste un monocanon. Là. C'était juste un monocanon. C'est Sabi qui l'a attaqué. Ouais, c'est Sabi qui l'a attaqué. On était sur un attaque troll. Fait que c'est pas du 1v15, c'est du 1v14. Parce que Sabi est en guerre avec moi. Mais ouais, c'est ça. Là. Il y avait juste. C'était easy. Il n'avait même pas utilisé sa charrette. Il restait 2 soins. Ah, Sab, c'est pour ça. C'est pour ça que t'as ton autre compo ne marchait pas. C'est un gars qui traçait des soins puis un gel. Ça, c'est pas Sabi qui l'a fait, c'est Sabi qui l'a fait plus haut. Ok, ça, là, guys, c'est moi qui l'a fait. On est sur un HDV 12 préma, là, à mort, là. Genre, c'est un TH10 de go, pis là. On attaque vers la gauche, on était au électro parce que j'ai trouvé que le village était hyper collé, man. C'était juste parfait, là, l'électro, il allait faire le taf en masse là-dessus, là, genre. C'était easy, là. Il y a même pas un drag qui est mort, là. Puis en plus, le mollusque qui est sorti de la balloune. Il me restait mes héros, genre, sans passer crème. Merci de GG, Mikob. Là, c'est Sabi qui l'a fait, l'attaque sur le 11. Là, les amis, on a sur un petit TH4 maxé avec un TH12 depuis un égartière de level 11, de TH11. Fait que Sabi qui attaque vers la gauche avec deux golems, charrette, le roi, la reine, ligne de sorcière. Puis on peut le 100 fois 1. On va regarder l'attaque au complet. Le CDC ennemi qui sort. Eux, ils avaient mis pas mal de dragons dans leur CDC. Là. Je pense jusqu'en haut, ils avaient quand même mis genre masse dragon. Là. C'était genre fucking dragon. Puis je pense que juste en haut, ils ont mis à l'électro. Puis un big dragon orange, là, le dragon de feu. Là. Fait que, comme vous voyez, ça a très bien passé. En plus, il avait mis une TDE en dehors du vivier. C'était n'importe quoi, le genre. Son village, il était prima. Mais en haut, guys, il va y avoir des attaques TH16 max. Il va y avoir des TH13. En haut, il y avait pas mal même de TH13 qui sont hyper maxés. Là. Ils sont assez costauds, les TH13 en haut. Là. Il y avait même plus de TH13. Fallait vraiment pas que je fasse. Il y avait vraiment plus de TH13 que nous autres. Fait que si je faisais des attaques, ben, on était short en attaque, mettons. Là. Fait que, ok, ça c'est chill, ça a tout passé, même Kappa du roi qui était mis, ou reine qui était mis à fin, Kappa de la reine qui était mis à fin, bon, chill. Fait que là, guys, tout en haut de ça, c'est toutes mes attaques, on retombe sur mes attaques, ça, c'est attaque de TH12 sur un Vivi qui était n'importe quoi. Je pense qu'après ça, ça devient plus sérieux, les Vivi, en bas c'était un peu n'importe quoi, là, mais là ici, il n'y avait pas de classe, fait que j'ai juste carrément attaqué d'un front vers au nord à droite. Electro-dragon qui s'est fait éliminer au début, c'est des ennemis, ça a passé clean, là. Il restait masse boulisse, masse truc. On va aller sur les attaques les plus intéressantes. Je crois que ça commence vers le 9, les attaques les plus intéressantes. Ça se peut-tu? Ok, lui, bah, lui il est pas max, là, mais en tout cas, il y a déjà un vidéo au moins.
Je pense que c'est un peu plus haut de bord que ça va commencer. Hey guys, on attaque au sud. En bas, Charrette. Les deux big golems. J'ai pas les golems de glace, j'ai pas encore débloqué ce compte-là, fait que j'ai mis des golems normales. Encore la même compo. Boulisse sorcière. Le double dragon congèle au milieu. Le rage, le soin. Capade Warden, normalement, je crois que j'ai mis, oui. Ok, il nous reste les deux capades des héros, il nous reste deux soins, on est bien. Tout à peu près 50% du village a été fait, mais 80% des troupes sont encore en vie. Il y a encore toutes les sorcières là. À droite, ok, ils sont morts. J'ai mis un petit soin en haut, histoire de laisser soigner le roi puis la reine. Puis il reste la reine ennemie, une tour d'archer. Ah, les gens x2, ok. Il nous reste les sorcières en haut là, qui généraient des fucking de squelettes, guys. Ça fait plaisir. Quand ils die pas, là, quand il n'y a pas de TDE multi là, qui fait chier, là, les sorcières, là, c'est là qu'on voit leur force. Hein. Fait qu'un gros 100% sur le. C'était sur le 9, ça. Hein? Ouais, sur le 9. On s'en est sur le 8. Ça, c'est une attaque TH12 contre TH12. Ouais, lui, il est encore Préma. Moi, je croyais que ça commençait un peu plus bas. En tout cas, ça commence. En tout cas, guys, on va partir sur la gauche avec les trois golems de glace. J'aime beaucoup mieux les golems de glace que les golems parce que je trouve que les golems, en vrai, c'est un peu. On dirait que c'est un peu haché, mettons. Parce que ça fait un. En plus de faire un golem, genre, c'est un peu moins de vie qu'un golem, les golems de glace. Tu peux en mettre plus, mais en plus, ça fait un check. Comme là, ça fait un sort de glace. Ça, je trouve ça magnifique. Le gardien qui tombe, la reine qui est en mode rage. Je pense qu'elle va faire tomber le CDC aussi. L'HDV qui a déjà même moins que la moitié de sa vie. Il nous reste deux soins, il nous reste un rage. Le roi en haut, okay, il ne se fait pas toucher. C'est les petits barbares qui prennent la TDE unique. Et ici aussi, ici c'est. Okay, c'est géant qui tank la TDE unique. On a quand même une belle attaque. En plus, je pense que les petites sorcières en bas, ils vont mourir. Il nous reste un golem en bas pour tank. Puis ici, quand les uniques ils vont détruire le golem de glace, ouais. Ça a fait un gel. Le gel a peut-être moins servi à rien, mais ici, mec qui meurt, il va geler le Warden, la reine, puis il va geler peut-être. Oui, il va geler la unique. Fait qu'on est quand même. Genre, le golem de glace, il est carry là-dessus. Il est big carry. Ça aurait sûrement passé quand même, mais genre, quand le golem de glace, il a une belle position de même, là, quand il die, là, c'est magnifique. Là. Comme ça, les autres troupes, là, en plus, j'ai activé la capa de la reine. On est quand même sur une belle attaque. Il nous reste pas mal de troupes. Là, guys, est-ce qu'on va avoir un petit vie un peu plus maxé en haut, là? Je me souviens plus, j'ai fait mes attaques tantôt, juste avant le live, sur le 7. Bon, on est sur Johnny, guys, c'est lui, Johnny. Non, même pas, il est encore Préma, il y a des tours d'HGV 8. Puis des tours d'HGV 10, en une de 12, là. Ok, des héros 50, bon, double dragon. Là, on est parti sur une attaque en V, pour essayer de rentrer au centre, éliminer le CDC plus rapidement possible. Même chose, roi, reine, warden, compo boulis, les boulis qui tournent un petit peu sur la gauche. Il y en a une couple qui sont rentrés. On a envoyé un PK aussi. Dans le CDC, je me rappelle plus. Je pense que j'ai des golems de glace aussi dans le CDC, guys, pour info. Là. On a tous nos sorts encore. On a tous nos sorts. Nous, on a mis un rage. Ok, alors ça, c'est golem de glace qui est die là, je crois. Ouais, c'est pas moi qui ai mis un sort de glace. Ok, un petit soin pour, vu que l'Arkix est en train de focus mes boulis, etc. Là, on enrage au milieu pour faire tomber l'HDV qui fait hyper mal. L'HDV 5 étoiles, guys, là, ça fait un massacre s'il n'est pas géré au plus vite. Puis en plus, quand elle die, là, ça fait une bombe, genre une bombe de choc, comme on peut dire. Là, puis ça élimine, genre, même full boulis, 30 boulis, full life, genre ça les élimine toutes. On peut finir l'attaque en x2. Puis en plus, il nous reste la capa de la reine que j'ai réussi à garder. Fait qu'on était quand même large. Mais le vie, encore une fois, il était pas hyper max. Bon, on était en même sur une belle attaque, les amis. La TDE qui tombe right now. Il nous reste la petite dernière TDE en unique. Capa de la reine. Hop, c'est terminé. On n'en parle plus. Ça, on va s'en aller sur le 6. Attaque TH12 contre. Ok, là on a un beau TH12. On a quand même un beau TH12. Peut-être pas les clôtures et les anti qui sont pas max, mais de toute façon c'est une attaque au sol. Le guys, on a quand même du max. Là. Les canons, les tours d'archer, c'est tout full max. Là on est sur du max, guys. Là on est sur du fucking max. Ah, peut-être les Arkix qui manquent un level. Ok, bon, ça va. Ça va, ils sont quand même beaucoup mieux que les autres. Ok, on attaque au nord.
J'ai pris des petits sapeurs pour que ça éclate quand même beaucoup plus vite. Là. Je trouvais que je voulais vraiment que ça rentre parce que là, ici, ça avait pas détruit trop vite. Fait que je pensais que les boulets, ça allait. Bon, en tout cas, il allait tourner, là, mais ça s'est bien passé. Ça a quand même bien rentré, les dragons qui ont sorti vers la droite. J'ai enragé ici, comme ça. Là, je savais que mes troupes allaient pas mal au milieu. En plus, la reine, elle s'en allait au milieu. Là. J'ai gelé l'HDV. Là, j'ai gelé ici où, la TDE unique à gauche de l'HDV. Parce qu'elle était focus sur mon roi, puis je voulais pas que mon roi aille tout de suite. Le roi, là, si on peut le garder durant le combat, là, ça fait un énorme tank. Là. Genre, s'il peut aller se mettre en avant de la reine ou quoi, mais là, il est quand même parti à l'opposé, mais... Là, avec la reine, il y avait quand même les deux golems de glace, deux géants, fait qu'on était large. En plus, le golem de glace qui fait le taf, il a tout gelé les défenses, même la reine ennemie qu'on a éliminée, en fait. Si je me trompe pas... ouais, en plus, le gartilleur est full life. J'avais mis un petit soin ici à gauche, normalement, que je vais mettre dans vraiment pas longtemps. Là. Je voulais vraiment que ma reine reste en vie. Fait que j'ai mis un petit soin, j'ai soigné ma reine. En plus, il y avait les sorcières qui s'en venaient backer la petite tour d'archer vers la gauche. J'ai vraiment parti sur une belle attaque, guys. Là. Les sorcières qui arrivent avec les max squelettes. Il y a juste l'archer qui s'en vrai comme énorme défense qui restait... En plus, je pense qu'elle avait focus la reine, mais j'avais encore le pouvoir de la reine que j'ai activé. Il restait pas mal juste l'Arc-X, puis en plus, le Warden était full life. On est quand même passé... c'était quand même une belle attaque. On est quand même passé avec quelques troupes qui restaient en plus. Là. J'avais utilisé une potion d'héros aussi. Là. J'ai pas mes héros max, ce compte-là, mais j'avais utilisé une potion d'héros pour les maxer. Là. Avec un autre beau gros 100% sur l'Azbuzung. La Buzung. Ici, je crois qu'on rentre dans les TH13. Et voilà, on rentre dans les TH13. Lui, il n'a peut-être pas toutes ses clôtures, mais c'est quand même. C'est un TH13 Max Race. C'est vraiment. Il y a juste les. Peut-être les. Comment tu appelles ça? Les catapultes qui sont level 1. Mais on est vraiment sur un TH13 Max. Hein. Mais je crois qu'il n'y a pas toutes ses défenses. Genre, c'est comme un mono TH12, si on peut dire ça, là. Même si c'est pas un monocanon, mais il équivaut genre à un TH12, mais il est comme TH13, genre. Il a juste le même nombre de clôtures et de défenses qu'un TH12, mais son OP TH13. Il a pas ajouté les nouvelles. Là, les amis, on est parti sur un roi en bas au sud pour aller cleaner avec la reine les petits extracteurs, les petits bâtiments qu'on a ici en bas. Un petit dragon en haut aussi, histoire de clean pour que notre combo tantôt, voilà, notre ligne de dragon qui vient juste d'arriver, qui rentre vraiment au milieu du village, que ça fasse un max de dégâts. Le Warden qui est envoyé, la ligne de ballon, la Big Balloon qui est envoyée. On a tous nos sorts. Double rage. Les chauves-souris qui sont envoyés en arrière, qui suivent le combo. On a le CDC ennemi qui vient de sortir. Je crois que c'était un double dragon. J'ai pas eu le temps de voir. Là. Il se passe pas mal de trucs. On a la capa du Warden qui est activée. Parce qu'on est au centre du village. C'est là que ça fait le max de dégâts. Puis on va essayer de protéger nos troupes au max. Le CDC ennemi qui vient juste de tomber. Il nous reste la fucking TDE. Puis une anti-rienne qui fait chier. Mais on a. Ok, on a pas mal de chauves-souris. En vrai, c'est quand même bien. On a des chauves-souris qui vont aller sur l'anti. Qui vont, je pense, même prendre l'anti. En plus, ça protège les ballons. Là, on a tous nos héros qui sont morts, je crois. Ouais, il nous reste juste le Warden. Ah, il y a un petit dragon en haut qui continue le petit clean. En plus, il y en a deux qui sont partis en bas aussi à droite. Clean les petits extracteurs, cabane d'ouvriers, caserne. Il nous reste les ballons ici. L'arc qui vient de tomber. La dernière Tesla qui vient de tomber. En plus, il nous reste quoi? Trois ballons. Trois ballons, ça va peut-être suffire pour faire tomber la TDE qui restait. On pogne un tournade, mais même à ça, ça n'a même pas nuit au ballon. En plus, il y avait 1 HP. Il y avait juste un ballon là, avec full life. Là. Fait que la unique aurait pu niquer les ballons, mais on avait quand même beaucoup de dragons qui restaient pour finir de toute façon. Là, ça commence à être intéressant. Là, on s'en vient encore là, sur un... Là, c'est vraiment un beau TH13. Il y a juste les clôtures pas max, mais c'est totalement max. Les catapultes encore qui sont level 1. Attends, on va mettre ça sur pause. Là, l'idée, guys, quand on attaque au dragon, ce qui fait chier, c'est vraiment les TDE multi. Les deux uniques que là, c'est vraiment pas un problème, à part pour les dragons, mais c'est même pas un problème si les chauves-souris sont bien envoyées. Ça, c'est vraiment... J'essaie d'attaquer souvent
Vraiment, le côté où il y a la multi, parce que ça élimine les chauves-souris. Puis les chauves-souris, c'est les sorts les plus importants, je trouve, avec les dragons, là. C'est ça qui fait le taf, puis ça va aller tout déclencher les pièges, les mines noires, les mines rouges anti-aériennes. Puis ça va aller prendre beaucoup de place sur les anti. Les anti, ils focuseront même pas les dragons, ou même la reine aussi. Puis les uniques, ben, si tu es chauve-souris par chauve-souris, ça génère pas mal de chauves-souris. Surtout en plus, j'en mets 5. Ça fait vraiment le taf, là. Oh, j'ai peut-être eu un bug de zoom. Les gars, ça que là, même chose. On envoie les petits héros pour clean ici un peu à droite. En bas ici, ça avait pas aucun sens que ça tourne. J'ai vraiment envoyé tout de suite le combo dragon, ballon avec le big ballon. Là, on a le CDC ennemi. Mais on a la championne que j'ai envoyée du côté ici pour qu'elle aide les dragons à éliminer le CDC au plus vite, parce que je voulais vraiment que ça tank au milieu, là. Parce que si ça tourne, ce village-là, il y a vraiment toutes les TDE, les Gartia, si ça tournait, là, c'est vraiment. J'ai envoyé des chauves-souris juste derrière quand la TDE multi est tombée. Tout ce qui reste comme danger aux chauves-souris, c'est vraiment tour de sorcier puis la GV qui vient d'être déclenchée. Mais là, j'avais plus de sort de gel. Les chauves-souris, je crois, ouais, sont morts. Ils sont toutes morts. Ouais, ils sont toutes morts gratuitement. Ils ont pas fait grand-chose cette attaque-là, mais normalement, en AGV13, les chauves-souris sont vraiment forts, là, mais là, ils ont pas fait grand-chose. On a quand même le CDC qui est déclenché, la tournade aussi qui vient d'être déclenchée du côté du village. Là, ça fait tourner les ballons qui prennent max damage, la catapulte qui fait énormément mal, mais on a encore la championne, la capa de la reine, on a la reine qui s'en vient en haut. Puis il nous reste encore un bon 5 dragons. Ouais, un bon 5 dragons, le Warden full live, en mode aérien toujours. Puis je pense que la championne va même survivre. Puis là, il reste même plus de défense, il reste juste des petits bâtiments extracteurs d'élixir noir. Oh, c'est chill. Un gros 100%, guys. Sur un beau TH13 max. Et puis, lui, je l'ai attaqué avec mon TH16. Bon, on peut quand même le regarder. Je l'ai attaqué avec mon TH16 parce que c'est plus haut que j'ai attaqué. J'ai fait le 2 à la place. D'habitude, je fais 1-2 avec mon TH16. Puis avec le 2, j'attaque le 3 et 4. Mais j'ai juste attaqué le 2 avec mon TH14. Je sentais bien, puis je trouvais que ça allait quand même passer. On peut aller quand même le regarder, même s'il y a une attaque de TH16 sur un TH13. Là, c'est une attaque boulisse. J'avais même pas boosté mes héros, là, ça valait pas la peine. De toute façon, je suis déjà en TH16 sur un TH13. Là, et là on passe sur la gauche. Encore les petits golems de glace qui passent devant avec la charrette. Les petites sorcières qui nettoient tous les bâtiments pour que les héros, la charrette. La charrette, je crois qu'elle va bien ouvrir jusqu'à l'HDV. Elle déclenche l'HDV même. Un peu en avance, mais la TDE multi, elle va tomber. Je crois que la charrette est-tu encore en vie? Non, elle est plus en vie. Mais bon, la championne, elle attaque quand même la TDE. Là, on a le dragon. Ça, ce dragon-là, il est quand même fort en def, là. Mais il est mort vite, là, mais il fait genre des multi-attaques, là, comme il brûle plusieurs troupes en même temps. Là, je pense que ma championne, elle va tomber. Puis en plus, il y a beaucoup de vie, ce dragon-là. C'est ça qui est crazy, là, quand même. En défense, c'est fort. Là, ça avait un peu tourné. Là, sérieux, ça avait beaucoup même tourné. Ça a parti un peu dans tous les sens. C'est parti à droite, c'est parti à gauche. Le CDC qui est mort, là, ma charrette qui n'a même pas ouvert jusqu'au milieu. Il me restait un soin, là. C'était un peu la merde, mais il me restait pas mal de troupes. Je me disais, elle avait un HP, la GV, elle faisait max damage, là. Ça faisait. J'ai mis mon dernier soin ici, là, parce que là, j'ai mis boulisses qui sont en train de mourir. Là. C'était mes derniers boulisses qu'il y avait ici en haut. Il y a juste un boulisse. La bombe géante qui fait un peu mal aux troupes, mais on avait quand même. On a masquelettes. Les masquelettes, ils vont faire le taf. En plus, il nous reste des Yetis. Ouais, il nous reste tous nos Yetis. Avec un P.K. full life. Puis on avait la reine aussi avec la licorne qui régénérait à mesure. Fait que ça a quand même fait un grand 100%. Les amis, on est sur un TH14 sur un TH13. Un TH13 totalement max. Lui, il y a juste les clôtures. Lui, il est vraiment max. Les catapultes sont max aussi. Là. Comparé les autres, là, il y avait les catapultes qui sont pas max, mais lui, il a les catapultes quand même assez. Son level 2. Son level max pour un TH13. Lui, on est sur une compo. On retourne à la compo dragon de tantôt avec les 5 sorts chauve-souris, 2 sorts de gel dans le CDC. On a 2 rages. On a boosté même les héros. Mes héros sont 77, mais souvent quand j'attaque en guerre, je booste quand même mes héros. Histoire que des fois, les petits levels qui manquent à nos héros là, en GDC, des fois ça peut faire la différence.
Mais là, j'avais quand même des troupes de TH14. J'avais même boosté les troupes. Parce que j'ai des troupes de TH13. Ça fait pas tant longtemps que je suis TH14. Mais ça reste que je les ai boostés. Fait que j'attaquais vraiment avec des dragons. Puis des troupes de. Des ballons, etc. de TH14. Ok, on a la ligne de dragons, les ballons, l'anti qui fait hyper mal. Qui tombe pas tout de suite en plus. Ok, j'ai mis un gel. En plus, ça pognait. L'égartilleur. On a un souffleur qui est contre nous. Mais l'autre souffleur, c'était correct, il soufflait carrément à sens opposé. En plus, on a une TDA en dehors du village. J'avais oublié de mentionner au début de l'attaque. Il nous reste un gel. Le gel qui va être utilisé pour la TDA unique. Je sais pas si vraiment c'était utile. Ah oui, c'est parce qu'il focusait ma reine. Je pense que j'avais gelé la TDA unique parce qu'il focusait ma reine. Mais là, le focus, il va retomber sur ma reine, mais j'avais encore la capa. J'activais la capa. Puis c'est pas ce crème, la TDE qui est tombée en moins de 2 secondes. Puis en plus, il nous reste un mollusque, guys, pour tank. Il nous reste un big mollusque au milieu du village à travers les ballons. Là. Mais de toute façon, il n'y a plus grande défense qui peut. Ah, qui okay, la petite TDE unique, là, la tour d'archer qui va tomber. La reine qui a 1 HP, mais qui tape quand même la TDE unique. En vrai, ça, elle pourrait tomber à une vitesse. Ok, là, il nous reste quand même full dragon. C'est un gros 100% sur le village de Kaimaya. GG. Là, moment de vérité. On est sur le TH16 en haut que j'ai fini. J'ai fini par lui. Ça dit-tu combien de temps j'ai attaqué? Ah, regardez, j'ai attaqué il y a 2 heures. Okay, il y a 2 heures, c'est vraiment ma dernière attaque, celle-là. C'est TH16 sur un TH16 quand même assez max. Il est très bien avancé. Il y a beaucoup de devs de TH15. Ici, ce que je me suis dit, j'ai dit... D'habitude, j'attaque Boulis en TH16. Mais là, je me suis dit, je vais attaquer Electro. Electro-dragon, en plus, je pense qu'on a même pas vu d'électro-dragon, on n'a pas vu. J'ai pas attaqué en électro-dragon. Ah oui, j'ai fait une attaque au électro-dragon sur en TH12. Mais lui, il avait pas mal le centre collé. Un peu décollé ses côtés, mais même ici, c'était vraiment collé. Je me suis dit que l'électro, ça allait faire un collissement mal au village. Là. En plus, il a collé ses TDE ici, là, c'était vraiment. Je dis que c'est sans dessin, collis. Mais il y avait quand même un beau village, le gars il est quand même max. Là. Mais. Son village est vraiment mal fait en Christ. Puis les clôtures, c'est n'importe quoi. Il a fait des compartiments, il a voulu protéger ses extracteurs. Là. C'est vrai que c'est un village de femmes. Ok, on est parti sur un roi au sud. Je crois que la reine qui va suivre derrière pour essayer d'aller éliminer la reine ennemie. Puis le CDC catapulte. Puis on a le CDC qui fera pas chier nos électros, guys. Ils vont plus partir sur le roi, la reine qui va les chasser. À court après, le roi qui va dive par exemple, mais en tout cas, on a sacrifié le roi, mais c'était pour pas avoir l'électro puis le CDC au complet dans nos pattes avec notre attaque électro. On a les ballons au milieu! Ok, on a encore notre gros ballon. On a mis masse de gel au milieu, l'aigle qui était gelé, les TDE, on a l'HDV qui était congelé aussi. On a vraiment tout de gelé. Ça a tout tombé en 4 secondes. Là. En plus, il nous restait pas mal tous nos électros qui contournent un peu vers la droite, mais là. À partir de ce moment d'attaque-là, il n'y a même plus de tanti. Il reste juste un arc-x en mode aérien, mais il ne reste pas grand-chose d'autre. Il nous reste 2 tours d'archer en haut-là, mais ce ne sera pas assez suffisant pour éliminer nos dragons. En plus, la reine qui continue de prendre des PV, elle clean le côté du village. Elle va aller prendre les petits tours d'archer pendant que l'électro continue de clean au milieu. En plus, il nous reste des petits molosses de glace. On avait tout pour tank. En plus, on a le phoenix. Mais le roi puis la championne sont morts quand même. Ah, ils ont juste un HP, les petits trucs de molosses de glace. Okay, je pense qu'il y a un petit peu plus de vie que ça. La tour de sorcier, ils ont one shot. On a le Warden, la reine qui est. La reine est die. Ouais, la reine est die. Ok, je pense que c'est. Ah oui, elle s'est pris une bombe géante, je pense. Ok. Et voilà, c'est ce qui complète la guerre d'aujourd'hui. On a fait tout pas mal des replays, je crois bien. Puis on a fait même les attaques. Ils n'ont pas refait d'attaque depuis que. Montrer les attaques que j'ai fait, je crois pas, non. Il y a juste vraiment des petites attaques. Ça, c'était-tu sur un TH11 ou sur un TH10? Ok, guys, il y a des héros quand même. Bon, on peut vous la montrer, celle-là aussi. On peut vous montrer l'attaque qu'ils ont fait, le Elguistor contre un de mes TH10 qui vient de passer TH11. Là. On va vous montrer l'attaque. Il y a l'attaque PK, sorcière, gobelin, sorcier, PK. Avec des sorts de clonage. Très intéressant. Très n'importe quoi, mais ça a passé. Okay. Là, on a les PK qui partent vers la gauche, vers la droite.
histoire de tank. Les P.K. aussi, c'est quand même bien pour tank. Là. Ça fait comme les golems. Un peu, mais ça fait beaucoup plus de damage. On a le roi de 37, la reine 37 qui est partie vers la droite. Ok, on avait des ballons dans ce dessin. Ok, c'est intéressant. Il a mis quoi? C'est quoi le sort au milieu? Ok, je pense que c'est la cap... Ah non, c'est pas la capacité warden. Ok, on a le golem de glace qui est éclaté au milieu. Ou sort de glace, peut-être. Ok, Kappa Run qui est activé, parce qu'elle allait mourir. On a les ballons qui s'en allent sur l'Arkix cloné. Fait que je pense que l'Arkix va tomber là-dessus. Oh, on avait même des petits archers dans le CDC. Ça a vraiment fait max staff. Là. Ok, il nous reste les sorcières qui est la TDE unique pour jamais fournir tous les petits squelettes qui génèrent. Le PK à droite qui est mort. Ok, on a quand même des petites défenses qui restent en bas, mais hey, il reste tellement de PK, les amis. C'est sûr que ça passe. Les PK level 6 en plus. Alors, on avait quand même beaucoup de tanks. Le roi en plus, quand il frappe, je pense qu'il se régénère. Ouais. Fait que le canon puis la tour d'archer en bas n'en viendra vraiment pas à bout. Là. En plus, il y a la petite sorcière qui frappe en arrière. Ah, les PK, ils avaient quand même plus beaucoup de vie non plus. Là. Ok, on est quand même sur une attaque qui a passé à 100%. Pas fan de la compo, mais c'est quand même passé. L'important, c'est que ça passe aussi. Hein. Les PK qui vont aller terminer la petite tour d'archer. Ok. En plus, sinon, s'ils attaquaient vraiment avec des tours de... Ah, mais je pense qu'ils attaquaient avec des tours de TH10. PK 6? Je crois pas que ça soit TH10. On va aller voir le 15. Guys, le 15, c'est un TH quoi? Le 15, c'est un TH11. Ah, c'est un TH11. Ouais, c'est ça, c'est un TH11. Ok, ouais, c'est ça. Il a attaqué avec des troupes un peu plus fortes que mon village. Mais sinon, mon village, là, en tant que tel, il est vraiment clean. Le 12, c'était-tu? Ouais, je crois que c'était le 12. Le 12, c'est quand même un bon village TH10. Là. Il est vraiment... il est clean quand même. Il y a beaucoup de compartiments. Compartiments Arkix, compartiments TDA de chaque côté. En plus, c'est vraiment fait. Il y a un funnel qui s'est fait pour que ça passe carrément à travers les villages sans qu'il y ait un compartiment vraiment pour faire tourner maximum les troupes par des extracteurs. Puis il y a des défenses en plus. Genre, c'est juste que les testeurs qui sortent en plus quand tu arrives au milieu, vu que, avec en plus de toutes les défenses qui frappent toutes les troupes qui ont au milieu, c'est vraiment. Bon, c'est un bon village quand même. Mais ouais, le gars nous a attaqué avec un HGV plus haut, fait que c'est sûr que ça a passé quand même crème. Je crois pas qu'il nous égalise, comme je l'ai dit tantôt, là, j'ai quand même des bons villages. Lui, c'est un nouveau village que j'essaie. Il est quand même fort. Mon petit village TH13, comme je l'ai dit, j'ai passé TH14 vraiment pas longtemps, fait que j'ai vraiment encore des défenses de TH13. Mais ouais, je pense pas qu'ils vont faire, parce que là, de toute façon, en face, ils n'étaient pas très très forts, là, c'était vraiment... On a regardé leur journal de guerre, même leur journal de ligue, c'est bof. Il y a beaucoup de rouge, hein. 63 défaites, 38 victoires. On est vraiment sur un clan qui font même pas toutes leurs attaques seulement, je crois. Merci, Mikob! Bon, les amis, on se fait peut-être deux petites attaques électro-dragon comme à chaque live. Puis on va close là-dessus. J'ai pas de CDC. On attaque sans CDC, on est des fous. On va attaquer sans CDC. Puis on va essayer d'aller chercher le max or, max élixir mauve, peut-être un peu d'élixir noir parce que j'ai vraiment... j'ai un ouvrier qui est au chômage. J'ai vraiment un ouvrier au chômage qui peut pas travailler parce que je suis pauvre. Là. Je suis à sec. Là. J'ai lancé quelques trucs tantôt. J'ai lancé la tour à bombe level max TH16 tantôt qui prend quand même 11 jours et 11 heures. Ce ouvrier-là, on ne l'enverra pas avant un bout. On a lancé aussi... C'est quoi j'ai lancé? J'ai lancé un canon. Ouais, j'ai lancé un canon level 19. Surtout, mon village n'est pas mal max, c'est juste les tours d'archer, j'ai un petit peu d'arriérage avec les canons, là. C'est pour ça que j'essaie de les améliorer. Sinon, j'ai vraiment des devs de TH15 et TH16, là, les catapultes, etc. TDE, Arkix. Puis je crois que tout est formé. Bon, on est prêt. On va aller se faire des petites attaques. Ok, ça c'est beaucoup préma, puis ça donne quasiment rien, ça donne quasi rien, que dalle. Ce village-là, je le sens quand même. Il est totalement max. C'est un AGV 16 tellement max, mais j'ai pas de CDC. Je pense que ça peut le faire, mais... Ok, ouais, il donne juste 56 000 or. Ouais, bof. On va le skip, celle-là. Celle-là non plus. 300 000 or, c'est lourd, là. C'est bas, 300 000. On va essayer peut-être... Ouais, 700 000 chaque. Ça peut être clean.
Oh my god, ok, lui il est fucking max. On va peut-être partir sur un combo héros ici en haut à gauche. On va spam l'électro-dragon, les amis, pour que ça fasse un max de damage au milieu. J'espère que ça va entrer. On va peut-être mettre un petit gel là, petit gel là, petit gel là ici. Mettre le Warden, ça ici, on va activer Kappa peut-être Warden et Roi dans pas long. Ça fait vraiment mal. Hein? Ok, je crois la reine, oh my god, ok la reine qui die. La championne qui n'a pas activé la Kappa, je crois qu'on fait même pas une étoile. On fait même pas une étoile. Oh my god, ouais, c'était peut-être un. Sans CDC, c'était peut-être chaud le THS, les amis. On a été un peu gourmand quand même. Oh my god, il reste un HP, Big. Oh, let's fucking go, Big. L'HDV qui tombe, man. Ok, on était lucky. On était lucky pour faire une étoile là-dessus. On a presque fait le 2 étoiles. Sans CDC, c'était peut-être chaud un peu quand même. En plus, on n'avait pas les, on n'a pas la championne encore qui est très très haut level. La reine, ça va. Le roi non plus, il est pas très très haut. J'avais pas les héros max, mais bon, c'était osé quand même comme attaque. Mais okay. On a quand même pris, on a quand même pris un étoile. Je voulais pas prendre trop de trophées, mais c'était plus des ressources que je voulais. Mais on a quand même pris 450 000 de chaque avec un beau 5 000 de noir. Là. Oh my god, je pensais vraiment faire un 0 étoile. Là. Je croyais que l'attaque était totalement perdue. Ok, il nous manque une étoile pour avoir le bonus. J'ai toutes mes troupes, mes héros, ok, c'est good. On va attaquer encore sans CDC, peut-être un village un peu moins osé. Celle-là, par contre. Ouais, celle-là, il est 700 000 de chaque. Il est quand même beaucoup max, mais il y a des defs TH15. Puis on va aller clean encore en haut à gauche. Roi-Reine. On va peut-être se prendre une... Puis on va envoyer la charrette. On va envoyer la charrette. J'ai pas de ballon, j'ai pas vérifié avant mon attaque. On va envoyer quand même. Ok, le sort d'invisibilité qui est déclenché. On va envoyer ça. On va enrager tout ça. Ici, on va geler tout le milieu du village, les amis. Pas que ça fasse trop mal au électro dès le départ. On peut congeler ça ici, congeler ça ici. Kappa Warden qui va être activé maintenant. Ok, là, on est sur un 50%. Est-ce que. Je crois que la reine, puis la. Elle va aller chercher l'HGV. J'espère juste qu'elle va le faire tomber au plus tabarnak, là, parce que là, ça fait énormément mal. La GV, elle fait mal aux électro, etc. Qu'on va activer Kappa de la reine. Oh my god, c'était presque un 100%. C'est presque un 100%, les amis. Ah, je crois que c'est dommage, mais ça fera pas 100. Il nous reste la championne qui a activé son phoenix en haut. Oh my god, ça va tellement avoir passé à 80. Et... Avec l'électro fasse tomber les tours d'archer. Ah, oh, la tour d'archer, va... Ok. Bon, on est quand même sur 80%, les amis. Ça, c'était quand même vraiment une belle attaque. Pas de CDC. En plus, on n'a même pas le big ballon. J'ai tué une charrette. On est quand même sur une belle attaque. En plus, on a eu le big bonus d'un million. Je sais pas si on peut lancer un truc à 2 millions. Oui, on peut lancer un extracteur. On va lancer un extracteur. On a. Ah, ici. Ah, il nous manque 1000 de noir pour améliorer l'électro trou oiseau. Ça a formé nos troupes. On va lancer le petit extracteur. On ne reverra pas notre vie. Ok, 3 jours, 3 heures. Ok, ça va. C'est quand même pas mal non plus. Là. Nos petites attaques ici sont effets dans le petit village. Ok. On a lancé nos ouvriers. Ok, c'est clean. Oh, guys, on va essayer là-dessus. C'était un magnifique replay de GDC. C'était JP Mage. On se retrouve pour un next live. La radio va sur YouTube aussi. J'avais oublié de le préciser. Là. La radio va sur YouTube. Puis je restart une guerre sûrement dans 2 jours. Puis je vais vous la refaire en live. Sûrement replay comme ça, là, ça va bien. Là. C'est moins stressant que d'attaquer carrément en live. Là. J'aime mieux attaquer avant le live. Puis vous laisser avec. Ben, commenter les replays, c'est beaucoup plus facile. Fait guys, on se laisse là-dessus. Peace. Merci à tout le monde d'avoir été présent sur le live Twitch. Puis ceux qui ont manqué le début de live, ben, vous pouvez aller sur YouTube. Merci beaucoup. Peace out.